Mais c'est une sculpture que j'aime beaucoup en elle-même. J'aurais pu aussi prendre un homme pour poser, parce que c'est après une petite sculpture que j'ai modelée d'après modèle vivant. C'est en lui-même et en elle-même que l'homme doit prendre conscience de sa destinée. C'est pas comme un couple ordinaire, si j'ose dire. En général, un sculpteur ou un peintre, quand il représente ce thème, c'est l'homme et la femme qui sont dans les bras l'une de l'autre. Tandis qu'ici, au contraire, ils sont séparés et elle tourne le dos à son mari. C'est un petit peu bizarre. Eh bien, j'ai voulu exprimer comment l'homme et la femme, tout en étant ensemble, mais chacun dans son espace. Et là, il y a un petit mystère. Est-ce qu'ils se parlent? Ben, on peut supposer qu'ils se parlent, mais la parole, c'est quelque chose de mystérieux. Et cette parole est toujours en train de se créer, parce que c'est si difficile de se parler, de se faire comprendre. C'est des difficultés de la communication. Alors, la Bible raconte la destruction annoncée par Yahvé de Sodome et Gomorrhe. Et la famille de Lot va quitter la ville avant sa destruction. Et le messager du Dieu, le trois personnages qu'Abraham a reçus, eh bien, il faut savoir qu'il ne faut pas garder en arrière, il ne faut pas se retourner, il faut fuir, il faut marcher. Alors la femme de Lot désobéit. Elle regarde quand même en arrière. Elle regarde sa ville où elle a connu son enfance, son adolescence, où elle a eu des amis. C'est tout à fait naturel. Eh bien, elle se change en colonne de sel. Alors on peut se dire, ben, ce Dieu est vraiment impitoyable, cruel. Est-ce que c'est Dieu qui punit ainsi? Est-ce que c'est vraiment une punition parce qu'elle a désobéi? Ou est-ce que cela, cette petite histoire, ou cette histoire dramatique, veut dire autre chose? Je pense que ça veut dire ceci. Mais ça, je prends ma responsabilité personnelle. Je pense que cela veut dire, celui qui regarde l'arrière, il se fige. Il se fige et il meurt. Il se meurt parce qu'il n'avance plus. La vie est essentiellement aller de devant. Ne pas regarder le passé comme une chose regrettable, mais accepter le futur, l'avenir. Abraham, c'est évidemment un personnage, comment dire, le plus important de l'Ancien Testament. Dans les années 66-67, je décide de faire un sacrifice d'Abraham, c'est-à-dire Abraham qui reçoit l'ordre de Yahvé de sacrifier son fils unique, Isaac. Il se met en route vers la montagne que Dieu lui va montrer, avec de quoi faire le feu, de quoi faire immoler son fils. Il y a seulement un homme stupéfait qui se demande est-ce qu'il faut vraiment tuer, et le fils qui demande mais qu'est-ce que mon père, qu'est-ce qu'il va faire? Alors c'est donc une sorte de sacrifice d'Abraham désacralisé.
parce que dans toute l'histoire de l'humanité, on trouve des sacrifices humains. Et on peut se demander, mais est-ce vraiment la volonté de Dieu? Là, il y a une étude d'Abraham, en terre cuite, et ça montre un homme âgé, un peu court sur ses jambes, qui va être placé derrière une sorte de dolmen sur lequel Isaac est allongé. C'est une statue ronde bosse en général, le sacrifice d'Abraham, on le trouve sculpté en bas-relief dans le cadre d'une entrée d'une cathédrale. Ronde bosse, c'est très rare. Deuxièmement, il n'y a pas de patriarche nu, ça ne se conçoit pas. Je dis, mais c'est au-delà du patriarche, c'est l'homme. Et l'homme qui va jusqu'à l'extrémité de son existence, qui se demande, mais qui est maître de la vie, qui est maître de la mort? Alors, dans la Bible, on raconte la bataille de Moïse contre Amalek. Et la Bible raconte, tant que Moïse avait les bras levés, il gagnait la bataille. Aussitôt qu'il baissait le bras, l'Israël perdait la bataille. Donc, il a besoin de deux officiers, pas tout homme qu'il fut, Moïse, devient fatigué. Donc, ces deux officiers mettent Moïse sur un rocher, sur un bloc de pierre, et tiennent le bras pour qu'il puisse prier. Et ça, c'est un petit merveilleux que j'ai fait à l'envers, vous voyez, la bataille, Israël contre Amalek. Ça veut dire qu'en fait, on ne gagne jamais une bataille tout seul, ni contre la maladie, ni contre une armée. On a besoin des autres. On a besoin même des autres pour prier. Ces deux officiers aident Moïse à prier. Et après, j'ai fait Moïse à la fin de la bataille. Quand il a toujours la main levée, ben, en signe de victoire définitive. Absalom, le fils de David, se révolte contre son père. Et les deux armées s'affrontent et c'est l'armée de David que l'on porte et Absalom prend la fuite. Et Absalom, dit la Bible, avait une chevelure extrêmement riche. Et cette chevelure est dans la Bible le symbole de la puissance, de la force masculine. Alors il prend la fuite sur un arbre, passe sous un arbre et avec ses cheveux, il reste accroché à une branche de cet arbre, tandis que la bête continue. Deux officiers de l'armée de David le trouvent et le tuent. Alors ça veut dire que, en fait, ce qui était signe de sa force devient cause de son malheur. J'ai sculpté à plusieurs reprises Job, l'homme qui est frappé d'une maladie, d'une sorte de lèpre, du pied jusqu'à la tête. Et dans le livre de Job, Job se révolte. Il dit, je n'ai pas mérité un tel traitement. Et c'est Dieu Yahvé qui permet au diable, à Satan, d'éprouver ainsi le serviteur Job. Il y a une autre souffrance où il n'y a personne en face. Et c'est le psaume qui le dit, « Je n'ai de pain que mes larmes, la nuit
le jour, moi qui tous les jours entends dire, où est-il ton Dieu? Et en créant, en sculptant, en modelant cette statue, j'ai dû penser à ces milliers et ces milliers d'hommes et de femmes qui, dans des camps de concentration ou d'extermination, ont dû se dire, mais où est-il notre Dieu? C'était le vide. Il n'y a pas de réponse. Dans la Bible, le psaume 147 dit « Lui, donc Dieu, Créateur, en va sur la terre, en va à la terre, ce qu'il a à dire. Et rapide court sa parole. » Autrement dit, c'est la parole créatrice qui court rapidement, qui est rapide dans tout l'univers. Et c'est ça que je voulais exprimer par ces lignes horizontales qui s'en vont dans l'espace. C'est un personnage mystérieux, énigmatique. On ne sait pas, elle a entendu parler de la sagesse et de la richesse de Salomon. Et poussée par une curiosité insatiable, elle entreprend le voyage. Et elle constate que c'est encore plus riche la cour de Salomon qu'on avait raconté, qu'on avait dit. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. C'est le dialogue qui s'installe entre la reine de Saba et Salomon. Parce qu'en fait, ils sont dans la même recherche, la recherche de la sagesse. C'est un petit peu ce qui est propre à cet homme et cette femme, la sagesse dans laquelle, avec laquelle ils doivent gouverner, voir les choses dans leur équilibre. J'ai fait une petite anecdote, une petite taquinerie si j'ose dire. J'ai mis une couronne sur la tête de la reine de Saba, mais en envers, comme si c'était un contre-pouvoir au pouvoir masculin du roi Salomon. Alors là, vous trouvez devant une grande sculpture en cuivre martelé, soudé, qui représente Jérémie portant le joug. Le Seigneur me parla de la sorte. Fais-toi des cordes et un joug, et mets-le sur ta nuque. La nation qui offrira la nuque au joug du roi de Babylone et lui sera soumise, je lui accorderai du repos sur son sol. Donc autrement dit, Jérémie doit annoncer la captivité. On sera lié, soumis au roi de Babylone, et après, eh bien après, Dieu, Javé, accordera du repos sur le sol d'Israël. Alors, ça veut dire que Jérémie est l'image même du prophète du contre-courant. En général, un prophète annonce un bien-être, la venue du Messie. Jusqu'à là, le prophète annonce le débâcle, la captivité, et après, éventuellement, le repos. Un jour, je trouvais dans un parc à côté d'ici, à Bagneux, un traversier chemin de fer creusé, abîmé par le feu. Ce qui restait, c'était vraiment un bois martyrisé. J'ai ramassé ce bout de bois,
J'ai trouvé d'autres, le même style, de la même, comment dire, la même façon de martyriser, une voix qui avait souffert. Et j'ai composé une croix, ou plus exactement un Christ en croix qui était en même temps sa croix. Le Christ et la croix, c'était tout un. Et à ma grande surprise, quand j'ai mis cette sculpture monumentale debout, parce que je l'ai fait par terre, j'ai boulonné ça par terre, et ça faisait une impression stupéfiante. Et c'était vraiment une sorte d'illustration du texte d'Isaïe. Comme un surgeon, il a grandi devant nous, comme une racine en terre aride, sans beauté ni éclat. Nous l'avons vu et sans aimable apparence, objet de mépris et rebut de l'humanité, homme de douleur et connu de la souffrance. L'annonce du Messie, Jésus de Nazareth, dans la croix, comme un surgeon, comme une sorte de tige, sort de la terre et fait germer l'espérance et la vie. XIVe siècle, on représente très souvent Marie qui a reçu sur ses genoux le Christ, Jésus, son fils mort. Et on a placé très souvent cette statue, cette sculpture qui représente ainsi une douleur immense d'une mère qui porte son fils mort. Et bien, on l'a posé très souvent au carrefour du chemin en Bretagne. Au cimetière. À ce moment-là, on imagine très bien la foule qui est représentée derrière cette statue où le Christ est vraiment entré, pour ainsi dire, dans le sein de sa mère. Et on comprend très bien le texte que je trouve dans le livre de Lamentation. Vous tous qui passez par le chemin, regardez et voyez. S'il est une douleur pareille à la douleur qui me tourmente. Deux jeunes gens qui se mettent en route vers Emmaüs et qui rencontrent sur le chemin le Christ ressuscité, qui ne se fait pas reconnaître. Ils parlent, ils échangent. Et arrivé à Emmaüs, les deux jeunes disent, il se fait tard, restez avec nous. Ils se mettent à table, et au moment de la fraction du pain, eh bien, leurs yeux s'ouvrirent, dit le texte évangélique, et le reconnurent. Et Jésus, ressuscité, a disparu de leurs yeux. Pour laisser une place vide qui devait être occupée par nous. Et c'est là la grande leçon, ou plus exactement, la grande invitation